Alors cette journée, elle a un objectif double, on va dire. D'abord celui, bien sûr, de rassembler des acteurs pour réfléchir sur la question des politiques éducatives locales et plus particulièrement régionales en ce qui concerne cette thématique aujourd'hui. Le deuxième objectif de cette journée, c'est d'essayer de construire une parole vers les collectivités locales, vers l'État, vers les décideurs, pour revendiquer des politiques justement plus adaptées, des réponses en tout cas aux besoins ou aux demandes qu'on aura identifiées. Une association de jeunesse et éducation populaire, c'est une association qui a une action éducative, puisqu'il y a dedans le mot éducation, en direction de la jeunesse, en direction des enfants et des adolescents. C'est une famille associative qui est très présente, on va dire, dans la vie associative française, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'elle pèse pour à peu près 60%. Dans l'ensemble des associations françaises, c'est-à-dire c'est à peu près 740 000 associations qui, en France, qui, alors locales, nationales, départementales, régionales, qui se réclament de l'éducation populaire. Tous les plus grands réseaux globalement, 70, ont décidé de se regrouper dans une plateforme commune pour travailler ensemble, faire des propositions, conduire des actions, interpeller les pouvoirs publics, et cette plateforme, c'est le CNAJEP. Le but et la mission du CNAJEP, c'est d'offrir un espace de dialogue, d'échange, de propositions aussi, d'élaboration de propositions communes pour les acteurs du secteur. Et ce qu'on peut dire, de peut-être qui touche l'ensemble de la jeunesse aujourd'hui et peut-être l'ensemble de la société, c'est une précarisation massive dans tous les domaines. Et cette précarisation, elle ne permet pas non plus toujours les jeunes et les gens de manière globale de s'engager dans la vie politique. Parce que quand on a des urgences à régler, quand on a un logement à trouver, des études à engager, à financer, on est moins disponible pour la chose publique, on est moins disponible pour se préoccuper de tout ce qu'il y a autour de nous et on répond aux urgences. Alors j'ai entendu prononcer plusieurs fois le mot désengagement. Bon, on ne prononcerait pas sur le sujet. Alors vous disiez mine grise aujourd'hui, malgré le soleil. Oui, parce que évidemment nous sommes dans une période où nous discutons de nos relations avec l'État et de nos subventions, notamment des subventions qui aident les projets à se mettre en œuvre pour 2009, qui aideront les projets à se mettre en œuvre pour 2009. Et on va dire, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Les autres raisons de continuer à travailler en partenariat étroit avec l'État, c'est que, un, même si les moyens sont appelés à diminuer. Aujourd'hui, ce partenariat historique, dont la contrepartie était financière, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des moyens pour aider à la mise en œuvre de tout ça, ben, il est un peu chahuté. Et notamment, l'État aujourd'hui nous contraint très fortement sur des subventions à venir. Grosso modo, ça représente un quart des budgets des associations. Grosso modo, c'est un quart des aides qui étaient allouées, qui est amputée. Voilà, ça ne fait pas un quart du budget parce que les budgets ils sont aussi faits de produits propres, hein. On ne vit pas que de subventions, mais c'est un quart des aides, donc c'est considérable. Ça intervient, les arbitrages interviennent en plus parfois au dernier moment. Hein. Je prenais l'exemple du ministère de l'Éducation nationale qui nous informe très récemment d'une baisse de 25% au mois d'octobre, ce qui évidemment laisse aucune latitude d'action, alors que jusque-là le discours n'avait pas été un discours d'alerte. Alors bien sûr, les associations, elles ne vivent pas en dehors du monde, elles savent bien qu'aujourd'hui en France, il y a des difficultés économiques sur les finances publiques, il y a des problèmes particuliers, mais bon, on a l'impression de payer quand même un lourd tribut à la solidarité nationale, d'une part, et en même temps, d'autant plus lourd tribut qu'on ne considère pas tout ce que, indirectement, la vie associative et les associations de jeunesse et d'éducation populaire produisent. Vous avez entendu, comme moi, le président du CNAJEP
nous informer sur moins 15%, moins 20%, etc., dans des lignes budgétaires où la jeunesse est particulièrement visée. Donc, avec les associations, je suis inquiète, très inquiète. Et je ne pense pas qu'on nous réserve de belles choses pour le futur. On peut avoir l'impression de faire des économies aujourd'hui substantielles sur les subventions et les associations, mais lorsqu'on le fera, le coût social cumulé de tous les projets, de toutes les actions qui vont être arrêtées et de tout ce qui ne fonctionnera pas à partir de là, je crois que les chiffres seront colossaux, bien plus importants. Et donc nous disons que c'est un mauvais calcul. Nous le disons à l'État, nous le disons à tous les financeurs qui remettent en cause les subventions aujourd'hui. Si on délaisse une partie de ce champ-là, même une toute petite partie, eh bien il va se produire ce qui s'est déjà produit, c'est des expressions de jeunes qui vont être vécues comme de la violence, qui vont encore cataloguer les jeunes comme des violents, comme des drogués, comme des feignants, comme des ceci, comme des cela, alors que même cette baisse budgétaire va faire en sorte qu'on va les retrouver sur le banc, dans la rue, etc., et qu'effectivement, face à un mur, au bout d'un moment, la révolte va exploser. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des émeutes dans les banlieues en France, un peu avant ou un peu après, je ne sais plus, c'était la revendication autour du CPE. Donc, je pense que les signaux, ils sont là. Maintenant, est-ce qu'ils ont été entendus? Moi, j'ai pas vu depuis 2 ans de changement dans de prise de conscience des politiques nationales sur ces questions-là. Aujourd'hui, on apprend que la politique de la ville retire ses billes d'un certain nombre de villes qui ont par ailleurs certainement été touchées par les problèmes des banlieues il y a quelques années. Donc, non, j'ai l'impression qu'on est plutôt aveugle et qu'on. Alors, pourquoi on veut pas voir ça? Est-ce que c'est juste une histoire de financement? Est-ce que c'est tout simplement une peur, une crainte dans cette génération? J'avoue que moi, ça me laisse un peu perplexe. Moi, je pense que sacrifier les associations qui s'occupent de la jeunesse, donc qui s'occupent de l'avenir, qui s'occupent de l'éducation, il y en a beaucoup qui disent, je reprends des phrases célèbres, hein, vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Au moment où on a des taux de suicide dans les prisons pour les mineurs qui sont autour de 15-20%, disait hier Rachida Dati, je pense qu'on a vraiment intérêt à investir dans l'éducation et que pour moi, ce sont donc de très mauvaises nouvelles. Est-ce qu'il reste encore une politique jeunesse au niveau de l'État? Véritablement, on peut se poser la question. Et on se pose la question. En tout cas, les choix de réduction... Vous savez, il y a des effets de seuil. Quoi, hein. On est aujourd'hui, dans notre pays, sur une politique jeunesse-éducation populaire qui n'est pas déjà richement dotée. Hein. Ce n'est pas un budget très gros. Le budget de jeunesse et sport, c'est 0,17% du budget de l'État. On ne peut pas dire que ça soit énorme. Alors bien sûr, il n'y a pas de petites économies, dit-on, mais en même temps, on a l'impression que quand on rabote encore sur des sommes qui ne sont pas excessivement importantes, à la fin, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de signification. Les lignes budgétaires qui sont attaquées comme ça... laisse entrevoir des politiques jeunesse qui seront tout sauf de vraies politiques jeunesse. Pour le moins, il y aura plus rien. En tout cas, plus rien d'une politique d'État. Après, il y aura quelques gadgets qui existeront, quelques opérations de communication pour dire qu'on s'occupe vaguement des jeunes. Nous avons dans nos services des fonctionnaires qui restent des gens motivés, des gens convaincus, qui croient aux valeurs et aux vertus de la vie associative en général, à l'éducation populaire en particulier, et à son rôle social éminent. Nous pensons que l'État a un rôle politique à jouer, il doit développer une politique de la jeunesse et l'éducation populaire, qui soit accessible, qui vise d'abord tous les jeunes du pays, qui soit accessible à tout le monde, quand bien même elle est partenariale ou multipartenariale, et qui soit un moyen, on va dire, au service de la société, de l'émancipation des jeunes. L'heure est quand même au sérieux et à la gravité des atteintes qui sont faites au mouvement associatif de manière générale. Dans les politiques d'État, là, je dis hein, très clairement... Il reste que des moyens demeurent, qu'ils restent significatifs et qu'il faut pouvoir compter avec. Vous savez, Victor Hugo disait « Ouvrez une école et vous fermerez une prison ». Et moi, j'ai envie de dire « Fermez une école et vous ouvrirez peut-être une prison ».
l'État se désengage et donc forcément il y a un manque de produits, il y a un manque de ressources sur des activités qui va se faire sentir. Alors de deux choses l'une, soit les collectivités locales et territoriales vont le compenser, auquel cas on va dire ça sera inodore et incolore pour les usagers, soit elles ne vont pas le compenser, d'ailleurs elles le compenseront rarement intégralement parce que c'est des masses importantes, et il n'y aura pas d'autre solution que d'augmenter le coût des activités. Je pense que la question du rôle des collectivités locales est en train d'augmenter de plus en plus. Aujourd'hui, on a, notamment si on prend l'exemple des régions, qui est le sujet d'aujourd'hui, en ce qui concerne les lycées, de 86 jusqu'aux années 2000 à peu près, les régions s'occupaient de construire des bâtiments, elles s'occupaient des parpaings, pas de ce qui se passait dedans. Aujourd'hui, le désengagement de l'État fait que les enseignants se sont retournés aussi vers les régions pour trouver des financements pour leurs projets pédagogiques, pour leurs voyages scolaires, pour tout ce qui fait le pédagogique. Donc là, on est bien sur une forme de retournement de situation. Et je pense que dans ce qui concerne la vie associative, aujourd'hui, les associations, il ne faut pas qu'elles croient uniquement au financement de l'État et qu'on a intérêt à trouver avec les collectivités locales des objectifs communs pour fonctionner. Mais elles vont être aussi confrontées, les collectivités, à l'absence de financement. Donc j'ai peur qu'aujourd'hui, ceux qui fassent le plus grand sacrifice de cette politique, c'est bien les associations et derrière les familles et les jeunes qui ont affaire à ces associations. Alors dans un contexte où on va dire le pouvoir d'achat des Français est un peu malmené et où les marges de manœuvre de chacun sont quand même faibles, bien évidemment, une logique de coûts en augmentation, enfin de coûts d'activité en augmentation, de prix de vente, on va dire, en augmentation, bah, va de fait sélectionner aussi les publics. Hein, ceux qui accéderont aux activités demain bah, sont ceux qui ont encore les moyens de le faire. Si demain, toutes ces associations s'arrêtaient de fonctionner, qu'est-ce qui se passerait dans le pays ? Et bah, concrètement, je pense que beaucoup de parents auraient, par exemple, à prendre des congés pour garder leur enfant qui ne peut pas être accueilli en centre de loisirs, par exemple. Y aurait aussi beaucoup de familles qui n'auraient pas accès aux vacances, puisqu'il y a un certain nombre d'associations, justement, qui assurent et qui facilitent l'accès pour tous à des loisirs et aux vacances. Y aurait aussi peut-être un déficit pour les jeunes d'espace d'engagement pour eux, dans le sens où les associations, notamment de jeunesse et éducation populaire, sont vraiment des lieux d'expression, d'engagement de ces jeunes. Et ça, c'est quand même une rareté, on peut le dire, en France, où il existe peu de lieux justement représentatifs et où la prise de parole des jeunes est vraiment prise en compte et valorisée. C'est pour ça qu'on a mis en place des outils pour construire cette politique avec eux. D'une part, un conseil régional des jeunes, leur espace de parole où ils peuvent tout dire. Et je dirais que la particularité de notre conseil régional, c'est que nous avons un président qui a donné des moyens spécifiques à ce conseil régional des jeunes avec un budget propre, ce qui est extrêmement rare en France. Quand on constate le désengagement de l'État qui n'est pas nouveau, et notamment le transfert vers d'autres acteurs, on pourrait parler des collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements, les communes, mais aussi au niveau européen, parce que c'est vrai qu'au niveau européen, cette dimension éducative, accompagnement des jeunes, elle est portée très fortement au niveau européen. Donc ça doit être aussi l'opportunité pour nous, peut-être, d'essayer d'aller démarcher d'autres acteurs et de promouvoir un peu aussi les actions des associations auprès d'autres partenaires éventuels. Pour vous, la région est un bon échelon pour appréhender ce type de problématique ? Je pense qu'avec les autres collectivités, que ce soit les communes, les départements, les régions, moi je ne sais pas s'il faut, c'est le thème en ce moment de savoir s'il faut simplifier le millefeuille des niveaux de collectivité. En tout cas, ce qui est important, c'est que la région elle a un échelon particulier et que de fait, elle est concernée par plein de jeunes, les étudiants, les lycéens, les apprentis, qui sont des jeunes importants dans la vie d'une région. Donc je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, ils ont leur rôle à jouer. Et puis l'échelle régionale n'est pas si mal. Ça permet d'avoir une visibilité sur plusieurs départements, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Nous avons ce deuxième outil dont j'ai parlé, l'Observatoire régional de la jeunesse, qui travaille d'ailleurs en lien avec le Conseil régional des jeunes et qui a pour mission d'être au plus près des problèmes, des problématiques jeunesse, ce qui va nous permettre à nous, élus du Conseil régional, de construire une politique en appui sur des réalités, des vécus de jeunes, pas sur ce qu'on pense, sur ce qu'on croit, mais sur des réalités. Et là, j'ai envie de dire quand même que ça demande un certain courage dans le contexte politique actuel. Il nous semble que les économies d'aujourd'hui vont créer les difficultés de demain. Et
Par ailleurs, l'objectif, notamment des politiques publiques actuellement, la modernisation des politiques publiques, le seul enjeu, justement, c'est d'économiser de l'argent. Mais sur des enjeux comme, justement, l'accompagnement des jeunes, l'accueil des enfants en centre de loisirs, l'accompagnement culturel, social, je ne sais pas si on peut parler d'économie. Il nous semble que, nous, l'enjeu, c'est d'abord de définir une politique publique ambitieuse pour toutes ces populations et pour les associations, et ensuite de définir les moyens. Comment on est en capacité, en tant qu'association de jeunesse et d'éducation populaire, de proposer des actions, des démarches qui vont permettre cette participation et cet engagement des jeunes. Comment on est en capacité de travailler en lien avec les régions et les autres collectivités territoriales pour que tout ça se fasse avec une même démarche, une même philosophie, mais plusieurs actions un peu différentes les unes et les autres en fonction des publics, parce qu'il y a une attention particulière à avoir tous les publics. Le secteur jeunesse et éducation populaire, les chiffres le montrent, c'est le secteur le plus important en France. Il y a plusieurs centaines de milliers d'associations qui sont présentes sur le territoire, avec un ancrage notamment territorial très très important, puisque il me semble que c'est les 3/4 ou 80% de ces associations qui sont à un niveau infra-régional, donc en dessous des régions. Et donc, d'une certaine manière, ces associations assurent une continuité du service public et de l'accompagnement des populations dans certains endroits, notamment qui sont un peu abandonnés par la puissance publique. Les pouvoirs publics, précisément, qui n'ont pas conscience de la force et de l'importance et du rôle majeur des associations dans la mise en œuvre de politiques publiques qui relèvent de l'État, et aussi dans ce qu'on appelle un peu la cohésion sociale, la cohésion territoriale. Peut-être quand même un bémol sur la difficulté des associations à se poser les questions, c'est-à-dire on a une tendance facilement à l'autoflagellation et aussi à la critique de ce qui vient de la collectivité. Donc je trouve que c'est un peu un poil dommage. Et malheureusement, la difficulté à faire des propositions nouvelles en dehors de nos actions déjà existantes. Donc un besoin de renouvellement et de continuer les échanges dans ce cadre-là ou dans d'autres cadres et de poursuivre pour innover. Quels sont pour vous aujourd'hui les enjeux d'une politique régionale de la jeunesse ? Eh bien, c'est dans un contexte qui est particulier aujourd'hui. Ce qui a été témoigné par les participants de l'atelier, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un moment où l'État se désengage des politiques de jeunesse. Et que si les collectivités territoriales ne se prennent pas en compte ces questions-là, alors les régions notamment, puisqu'elles ont déjà à charge les questions de formation, les questions dans les lycées, un certain nombre de questions autour des déplacements par les TER, mais elles sont intéressées aussi par la question de la vie associative et comment, notamment aujourd'hui, elles peuvent soutenir la vie associative à être un véritable lieu de réflexion et de rencontre avec les jeunes pour qu'ils soient complètement impliqués dans la vie quotidienne de la région. Bien, les régions ont un rôle extrêmement important vis-à-vis des jeunes. Le premier aspect, c'est de, je pense, contrairement à ce qui se passe sur le plan national, c'est de leur offrir des espaces de parole pour que justement ils puissent participer à donner, notamment en donnant leur avis, aux politiques publiques qui les concernent. Si on regarde simplement les chiffres, aujourd'hui, selon les régions, entre 30 à 50% des budgets des régions sont consacrés aux moins de 30 ans. Donc déjà, je pense que la prise de conscience à ce niveau-là, elle existe. Après, la difficulté de la politique de la jeunesse, c'est que les jeunes, c'est qui ? C'est à la fois des jeunes qui vivent dans les campagnes, qui sont étudiants, salariés, d'autres qui sont apprentis, d'autres qui vivent dans les grandes villes et qui sont père ou mère de deux enfants. C'est très, 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 très divers, très, très multiple comme forme. Donc avoir une politique de jeunesse, c'est compliqué. Par contre, avoir des politiques qui concernent aujourd'hui vraiment les questions essentielles de la vie des jeunes, hein, les questions d'accès au logement, d'accès au premier emploi et à l'emploi durable, hein, des questions d'accès au transport, parce que voilà, on ne se déplace pas sur une ville comme Montpellier, comme de la même manière, comme une toute petite ville, les inégalités sont encore très fortes. Et je pense qu'en tout cas, le sens des politiques régionales, il est bien celui de réduire les inégalités entre les jeunes d'accès à tout ça. Il y a deux manières de se positionner par rapport à des situations comme ça, où on dit finalement c'est pas grave, on va passer quand même et on va faire comme si de rien n'était, et on se réorganise et on fait quand même. Ou l'autre qui dit on ne va pas nous effacer d'un trait de plume comme ça et on va ensemble, alors j'insiste sur le ensemble parce que je crois qu'il est très important dans la situation actuelle, on va ensemble au moins essayer d'exprimer ce qui, de notre point de vue, constitue une grave erreur politique, effectivement.
Nous, on ne peut pas accepter le désengagement de l'État dans la mesure où l'État a aussi un rôle de régulation et de cohérence au niveau territorial. Si l'État se désengage et qu'on s'oriente vers une animation des politiques de jeunesse et éducation populaire par les collectivités, le risque, c'est de voir certains territoires qui ont des politiques jeunesse et éducation populaire ambitieuses, mais d'autres régions qui, pour le coup, ne sont pas du tout soutenues par les partenaires locaux. Alors, ce que ça change, c'est ce qui a été essentiel dans la construction du réseau, notamment d'éducation populaire, c'est-à-dire... la construction collective du sens. La construction collective du sens à travers des réseaux nationaux qui, connectés entre eux, ont pu porter fort les principes d'éducation populaire qui, je le rappelle quand même, datent pas d'hier. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'on est un peu ringard puisque on situe nos origines autour de Condorcet, donc ça date pas d'hier. Mais quand même, ce qui s'est construit au cours des 19e et 20e et donc 21e siècle avec l'ensemble des forces sociales, des forces de progrès, les syndicats, les mutuelles, les coopératives et les associations, ça ne se fait pas au plan local. Ça se fait dans un grand mouvement politique national qui est une politique de construction au service des hommes et au service de ce qu'ils construisent entre eux. Si vous trouvez que l'action éducative développée dans le champ de l'éducation populaire coûte cher, hein, au bout du compte, ce qui est quand même faux dans l'absolu, quand on voit en plus en ce moment, on entend plus exactement les chiffres faramineux qui circulent en ce moment, notamment liés à la crise financière. Bon, c'est surréaliste, quoi. Hein, c'est absolument surréaliste. Quelle stratégie, quel message d'espoir un petit peu, dans quelle logique il faut rentrer ? Dans la logique de ce que fait le CRAJEP aujourd'hui, d'organiser des rencontres, des réflexions, d'où automatiquement sortiront des idées, des propositions. Voilà la logique dans laquelle il faut rentrer, la logique de concertation, de démocratie participative, de libération de la parole, de façon à ce que, au plus haut niveau, les choses se construisent ensemble. Dans le rapport de force avec les pouvoirs publics, c'est un jeu très inégal, puisque... il faut le reconnaître, les subventions créent une dépendance au pouvoir public et d'ailleurs des fois les pouvoirs publics aiment bien en abuser, hein, en espérant que les associations se tairont et en contrepartie de subventions. C'est pas notre logique, mais donc c'est pas dans la création, on va dire, d'un rapport de force frontal qu'on va se situer. On a toujours un peu tendance dans notre pays à avoir recours à ce genre de méthode. Mais nous, ce que nous allons faire notamment, c'est d'essayer de démontrer justement que les associations de jeunesse et d'éducation populaire ont une activité qui croise, qui traverse la vie de tous les Français. Que nous pensons et nous en sommes intimement convaincus, il faut maintenant arriver à en convaincre les décideurs, les élus locaux, les personnels, les fonctionnaires publics, que le défaut complet de ces activités-là, qui ferait que tout demain procéderait de la puissance publique, hein, ou du privé commercial, on va dire, eh bien, coûtera au bout du compte à la société beaucoup plus cher.